les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester toutes les transformations des Skibidi. Du coup les amis, on aura la transformation de Skibidi Toilette, Skibidi Caméraman, Skibidi Speaker et pour finir les amis, Skibidi Bob qu'on connaît tous. Donc avant que le facteur n'arrive chez moi pour me livrer ce fameux colis avec toutes ces transformations, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. On va tout droit vers les 300 000 abonnés maintenant, vu qu'on a dépassé les 200 000. Du coup je compte sur vous. Et voilà, maintenant que tu t'es abonné, on va tout simplement aller à la porte d'entrée, voir si le facteur n'est pas arrivé. Oh, ok, la sonnette a sonné. What? Bonjour monsieur le facteur. Mais wesh, mais vous avez quel âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans? Mais t'es déjà facteur? Ouais. Mais en vrai, c'est pas très légal de faire travailler des enfants, hein. Bon, ok, si t'es le facteur, je veux bien le croire. Bon, du coup, est-ce que tu as mon colis pour moi? Ah oui, j'ai ça. Ok, ok, vas-y, hop, donne-le-moi. Quoi? What? Mais attends, mais c'est quoi ça? Wesh. Ok, c'est un bloc de laine. Mais c'est pas ça que j'ai commandé. Ah, ok, c'est bon, il m'a donné mon colis. Ok, bon, bah, à la prochaine, en tout cas, hein. Wow, 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 ok. Ouais, par contre, t'abuses pas avec ma sonnette, hein. Ok, bon, les amis, c'est bon, j'ai le colis. Du coup, regardez, on va l'ouvrir tous ensemble. Hop, voici les transformations, du coup. Et ce qui est bien également dans cette vidéo, les amis, c'est que je ne serai pas tout seul, puisque il y aura tout simplement Chase qui va venir me rejoindre. Ça sera mon cobaye durant cette vidéo. On va tester un petit peu toutes ces transformations sur lui. Et bah, lui aussi ne devrait pas tarder à arriver, d'ailleurs. Du coup, on va se mettre à la porte. Ok, bon. Il a un petit peu de retard, les amis. Hop, Chase! Salut, salut, salut! What? Mais attends, mais t'as apparu d'où là? T'as sauté de mon toit? J'ai sauté de ton toit, ouais. Ok, wesh. Mais qu'est-ce que tu faisais sur mon toit, Chase? Ah bah, t'inquiète, j'étais. T'inquiète. Ok, bon, il veut pas me dire qu'est-ce qu'il faisait sur mon toit, c'est très très bizarre. Bon, du coup, Chase, tu sais pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui? Du coup, tu vas être mon cobaye pour tester les transformations des Skibidi. Ouais, mais il faut encore que tu me payes, hein. Ah oui, bah t'inquiète pas, je vais te payer à la fin de la vidéo. Tu veux quoi comme cadeau en vrai, Chase? Je sais pas, hein. Ah, moi j'ai une petite idée en vrai. Je pense que je vais t'acheter une carte Roblox de 30€ et tu pourras acheter plein de trucs sur Roblox. Ça te va, Chase? Oui. Ok, les amis, parce que oui, Chase joue énormément à Roblox en ce moment. Du coup, voilà. Bon, en attendant qu'on arrive sur le lieu où on va tester toutes les transformations, les amis, n'hésitez pas également à mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo si on pourrait atteindre les 1000 pouces bleus. Ça me ferait super plaisir. What? Par contre, ouais, j'avais pas vu. Regardez, il y a plein de bouteilles. Là, ça doit être Rick qui est passé par ici. Un peu, hein. Ouais, ouais, c'est très très bizarre. Ah, mais non, attends, c'est la dernière vidéo de transformation que j'avais faite avec Rick. Il avait créé un petit château fort juste ici. Voilà, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, les amis, si vous avez vu cette vidéo. Je crois qu'elle est sortie la semaine dernière. Bon, du coup, Chase, c'est bon, t'es prêt? Ok, il a l'air plus que prêt, les amis. Il a déjà des armes en main au cas où je déciderai de l'attaquer. Ouais, on verra ça. Bon, en tout cas, les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par la première transformation, du coup, et je pense que pour la première, on va commencer par Skibidi Bob parce que c'est le personnage qu'on connaît le plus dans mes vidéos. Du coup, t'es prêt, Chase? C'est bon? Ah, ouais, j'ai plus que prêt, ouais. Ok, les amis, vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go! Ok, c'est bon, les amis, regardez, je suis en Skibidi Bob. Wow, calme-toi par contre, Chase. Bon, du coup, les amis, ce qu'on peut déjà constater, c'est que je suis très très lent. Regardez, voilà, je suis obligé de sauter. Et d'ailleurs, par contre, je saute plutôt haut, ça c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, regardez, j'ai 2 barres de vie, les amis. Là, Chase, d'ailleurs, il a essayé de me frapper. Bon, il me fait quand même pas mal de dégâts. J'ai également, du coup, d'autres effets, les amis. Regardez, j'ai tout simplement un effet de force. Ok, bon, on va essayer ça juste après. Sur Chase, on a également résistance au feu, du coup. Ok, bon, bah si Chase pourrait mettre un seau de lave pour que je teste tout ça, ça serait pas mal également. Et du coup, voilà, le bonus de vie, comme je vous l'ai dit, c'est les 2 barres de cœur. Du coup, c'est pas mal. Je vais dans la lave et moi je ne prends aucun dégât. Par contre, lui, Chase, il prend beaucoup de dégâts. Ok, j'ai également un parchemin, les amis. On va essayer tout ça. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go. Ok, what? Oh, c'est trop stylé, regardez tous les dégâts que je fais au sol quand je saute, les amis. Bon, par contre, je peux pas l'utiliser à l'infini. Il y a un délai, les amis. On va attendre que le délai se finisse et on va faire tomber Chase, les amis. C'est parti, let's go.
Ok, aïe, 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 aïe. Oh, il est tombé, ça a marché les amis. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire une petite épée en bois et on va tester l'effet de force. Je suis curieux de voir en combien de coups on peut tuer Chase les amis. Du coup, c'est parti, je vais me craft une petite épée. Hop. Ah bah ça sert à rien Chase de mettre de la lave, je suis invincible face à la lave. Hop, let's go, on va récupérer une dernière bûche. Mais les amis. Alors si t'es invincible okay, face à bon. La lave, l'eau ça te fait mal. Non ça fait rien du tout non plus je crois. Hop, ok c'est bon, on a fait le petit établi, on va maintenant faire la petite épée en bois. Vas-y Chase, bouge pas, je vais tester du coup l'effet de force, let's je go. Tranquille. Bon, par contre je suis très violent, what. Ah ouais, par contre, c'est une dinguerie, les amis. Regardez, il m'a fallu seulement deux coups avec une épée en bois pour tuer Chase. Ok, ouais, c'est une dinguerie. Hein. Bon, le seul bémol, c'est que Skibidi Bob, du coup, ne court pas très très vite. Mais en tout cas, il est très très puissant. Et d'ailleurs, l'effet est en train de se dissiper, les amis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver quand je vais me retransformer en Razen. A tout de suite. Ok, c'est bon, les amis. Je suis du coup de retour en Razen. Non, arrête, arrête, Chase. J'ai plus de pouvoir là en vrai. M'attaque. Sinon je risque de mourir. Bon en tout cas les amis voilà, Skibidi Bop c'était plutôt cool, mais je pense pas que ça soit la meilleure transformation clairement de cette vidéo. Donc d'ailleurs restez bien jusqu'au bout les amis si vous voulez découvrir les autres. Du coup ce qu'on va faire c'est que on va directement enchaîner avec la prochaine. Bon Chase, tu choisis qui en vrai entre Skibidi Toilette, Skibidi Caméraman et Skibidi Speaker? Je pense Speaker, on peut les laisser pour la fin. Ouais, ainsi que Caméraman aussi, je pense. Bon, bah du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se transformer en Skibidi Toilette. Et en tout cas, j'ai hâte, puisque je pense que c'est le plus fort des trois, là. Enfin, quoique, en vrai, on sait pas. Skibidi Speaker, on l'a jamais essayé dans une de mes vidéos. Donc, on va découvrir ça après, les amis. Et du coup, c'est parti, je me transforme en Skibidi Toilette. Let's go. Ok, les amis, c'est bon, regardez, du coup, je suis en Skibidi Toilette. Oh là là, et comment je fais peur, n'empêche. Regardez mes yeux. Hop, wow, ok, Chase est en train de m'attaquer là actuellement. Et regardez du coup, ce qu'on peut déjà constater, c'est que j'ai plein de parchemins dans mon inventaire les amis. Et cette fois-ci, j'ai également 3 barres de vie, donc je dois être plutôt résistant. Ainsi que d'autres effets les amis, on va regarder ça tout de suite. Alors, ok, j'ai Jump Boost 3, donc saut amélioré, donc ça veut dire que je saute un peu plus haut. J'ai également Apnée 4, ok, bon bah c'est logique, hein, vu que c'est un toilette, voilà, il absorbe l'eau, etc. Du coup, on va tester ça d'ailleurs, on va voir si on prend des dégâts de chute sous l'eau. Non, on prend absolument rien les amis. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme effet? J'ai également Rapidité, ok, bon bah ça doit pas être très très élevé, puisque voilà, bon, je cours quand même assez vite, mais voilà, pas de ouf non plus. Par contre, je suis un peu bloqué là, attendez, on va remonter par ici, ok, le Jump Boost me sert énormément. On a également du coup résistance 4. Ah ouais, ça veut dire que là, si Chase essaye de nous attaquer avec son arme, on va clairement pas prendre beaucoup de dégâts. J'ai également résistance au feu du coup. Et c'est tout. On va tester du coup les parchemins directement sur Chase. Let's go. On va essayer de le faire tomber. Wow, attendez. Oh, ah ça bah, jette des boules d'eau. Loin, ça trop jette loin. Des boules d'eau, les amis, je crois. Ok, par contre, je suis beaucoup trop loin. Oh, il est tombé. Ok, aïe. Oh, regardez, ça lui fait des dégâts, je crois. Ok, ça a l'air de lui faire mal. On est en train de lui jeter de l'eau dessus, mais voilà, à une vitesse tellement rapide que voilà, ça lui fait des dégâts. Et regardez, il est en train de s'envoler. What? Ah mais ok, il est coincé dans une bulle d'eau en fait, regardez. Et la bulle d'eau s'envole avec lui. Ok, c'est giga stylé. Bon attendez, on va l'attaquer à la main pour voir un peu les dégâts qu'on lui met. Hop, tu vas rien pêcher du tout. Hop. Par contre Chase, essaye de m'attaquer pour voir à quel point je suis résistant en vrai avec ton arme. Ok, bon bah il a jeté. Oh, il a jeté une grenade les amis, je vois plus rien. Oh là là, ça fait trop mal aux yeux. Je t'attaque. Il est en train de m'attaquer en même temps. Wow. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé la vue. Bon, désolé pour vous les amis si ça vous avait fait mal aux yeux en vrai. Voilà, mais refais plus jamais ça là Chase. Pour la peine, hop, je vais venger les abonnés, viens ici. Let's go, let's go, let's go. Allez, on va le tuer, les amis. Ok, bon, il faut quand même pas mal de coups à Chase pour qu'il meure. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Let's go, les amis. On s'est vengé de la grenade flash qui nous a jeté dessus. Ok, en tout cas, le parchemin, les amis, c'est clairement le truc le plus stylé dans la transformation de Skibidi Toilette. On peut clairement envoyer dans une bulle d'eau Chase, tout simplement, et ça l'envoie jusqu'au ciel s'il la casse pas. Attendez, on va réessayer pour voir les.
les amis. Oh, mais il arrête. Non, laisse-moi tranquille. Allez, viens là, Chase. Oh, regardez, il est en train de s'envoler. Hop, ok. Bon, à chaque fois, il casse la bulle, du coup, c'est un peu compliqué. Hop, ok. Bon, là, il est trop haut, je crois. Ah, ok, ça l'a paralysé en même temps. Franchement, ce parchemin, il est vraiment génial. Bon, en tout cas, les amis, la transformation de Skip dit toilette commence à prendre fin. Du coup, on se retrouve en Razon à tout de suite. C'est bon, les amis, je suis de retour en Razon. Du coup, on va aller voir Chase. Ça va, Chase? N'a pas trop souffert en vrai? Aïe, aïe, hey. Okay, arrête, je t'ai déjà dit d'arrêter de m'attaquer quand je suis en Razon, je prends beaucoup plus de dégâts. Et d'ailleurs, range-moi ça tout de suite là, parce que non. Là, t'as dû faire mal aux yeux des abonnés tout à l'heure. Tu me refais plus jamais ça. Ok, bon, en tout cas, ça. Les amis, du coup, il reste plus que 2 transformations. Déjà, on en a déjà fait 2 sur 4. Et du coup, il reste encore Skibidi Cameraman et Skibidi Speaker. Du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner tout simplement. Bon, Skibidi Cameraman, je pense que voilà. On aura plein de caméras et on pourra les poser un peu partout. On a déjà fait le test de ce personnage dans la vidéo transformation date de la semaine dernière. Du coup, c'est parti les amis. Je vais me transformer en Skibidi Cameraman. C'est bon, t'es prêt, Chase? Ouais, vas-y, vas-y. Allez, let's go. 3, 2, 1... C'est parti! Ok, c'est bon les amis, je suis en Skibidi Cameraman! C'est moche, wow, c'est bon. Comme je le disais tout à l'heure, regardez, j'ai effectivement des caméras. Et là, il y a Chase qui est en train de me courir après. Et regardez, du coup, j'ai des parchemins sur moi. On va essayer ça juste après. Mais juste avant, on va poser des caméras un peu partout. Et comme ça, voilà, on va espionner Chase. Attendez, on va en mettre une juste ici. C'est moche! Hop, on va en mettre une en haut de ce qu'il est en train de construire. Et comme ça, voilà. Et il est en train de m'attraper avec une canne à pêche. Par contre, ok, on va mettre une autre caméra juste là-bas, les amis. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. On va pouvoir l'observer. Ok, c'est bon. Hop. Bon, du coup, on va tester maintenant les parchemins qu'on a. Mais avant ça, on a un effet également. Regardez. Ok, on a Nyctalopi. Ça nous permet de voir, du coup, très très bien dans la nuit. C'est plutôt cool. On a également un parchemin de 6e sens, les amis. Attendez, on va essayer un petit peu. What? Ok, regardez les amis, wow, c'est trop stylé. Du coup, on voit tout simplement l'ennemi. Regardez là, par exemple, c'est Chase. Du coup, il y a une petite lueur jaune sur son corps et ça nous permet de voilà. Merde. Facilement. Ok, c'est très très stylé. Bon, là, il est en train de me tirer dessus. Et ok, wow, ok, c'est bon, j'ai retrouvé la vue normale. On a également un parchemin d'invisibilité. Ok, ça c'est super cool les amis, regardez. Et où? Hop, wow, je suis invisible les amis, Chase ne me voit plus. Je te donne, oh là là, c'est trop bien. Et on a également un parchemin de lévitation. Attendez, what? Ok, on peut s'envoler du coup. Oh là là là, c'est méga stylé. Franchement, Skibidi Cameraman, il est vraiment pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est mon préféré. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, les amis, dites-moi en commentaire quelle transformation a été votre préférée, tout simplement. Et du coup, c'est parti, on va espionner. Il est où l'autre? Chase, avec les caméras. Aïe. Vu que, voilà, on a un effet d'invisibilité, les amis. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fait actuellement. Il est où? Ok, il était devant la première caméra, là. Là, il va tout là-bas. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de me chercher. Je crois, on va même le voir ici. Ouais, regardez, il est en train de faire une tour là, en train de monter. Ok, bon bah franchement, Skibidi Cameraman, c'est vraiment très très cool. Attendez, c'est pas drôle. On va juste attendre que l'effet d'invisibilité se propage, enfin s'annule plutôt. Et c'est pas drôle, on va aller rejoindre, je vais rager. Chase. Oh Chase, regarde, regarde en hauteur. Je suis en train de voler. Je vais rager. Oh, il est en train de m'attaquer. Bon, après, je suis invincible, les amis. Je suis en game odin, du coup, il peut rien faire. Et en tout cas, voilà, on en a fini avec Skibidi Cameraman. Là, je suis en train de me retransformer en Razon. Du coup, voilà, on se retrouve tout de suite une fois que la transformation est finie. C'est bon, les amis, je suis de retour en Razon. Hop, bon, Chase, là, t'as fini de faire n'importe quoi en vrai? C'est bon, non, je sors le grand jeu. Waouh, ok. Bon, j'aurais pas dû dire ça, les amis. Il a sorti un lance-roquette carrément, Chase. Bon, en plus, les amis, il reste plus que une transformation. Donc, voilà, je pense que à la fin, les amis, faut pas le dire, mais on va faire un combat contre Chase en étant en Skibidi Speaker. Ok, waouh, par contre, c'est quoi ça, là? Ah, c'est le vomi de Rick de la précédente vidéo, je crois. C'est vraiment dégueulasse, ça pue. Bon, vous pouvez pas le sentir, les amis, mais voilà, c'est vraiment dégueulasse. Bon, Chase, t'es prêt pour la dernière transformation de cette vidéo déjà? Pourquoi tu bouges plus d'ailleurs là? Parce que j'ai en train de prendre mes armes. Ah, ok, il est en train de se préparer, les amis. Il sent voilà, qu'il y aura un gros combat qui se prépare. Bon, bah, du coup, vous êtes prêts? 3, 2,
1, let's go, je me transforme en Skibidi Speaker. C'est bon les amis, je suis en Skibidi Speaker. What? Regardez tous les effets que j'ai en haut à droite. Allez, ça a l'air clairement d'être une dinguerie. En plus, allez, regardez, viens. J'ai 4 parchemins sur moi. Attendez, on va pas tout de suite aller se combattre contre Chase. On va d'abord regarder un petit peu tous les effets qu'on a. Bon déjà, ce qu'on peut constater les amis, c'est qu'on a Speed et Jump Boost, ça c'est sûr et certain. Du coup alors, on a Nyctalopi. Ok, donc ça veut dire qu'on voit également dans la nuit, on a également bah oui, Jump Boost, on a Rapidité également, on a Force les amis. Alors par contre je ne sais pas ses forces combien, on va tester ça juste après sur Chase. On a également Résistance, Régénération, Résistance au Feu, ainsi qu'un bonus de vie. Ok, bon, autant vous dire que là c'est clairement le personnage le plus puissant de cette vidéo. Et par contre Chase là, il est en train de me tirer au lance-roquette depuis tout à l'heure. On va aller lui régler son compte, mais juste et avant sur mon on fauteuil. Va tester les parchemins les amis. Qu'est-ce que ça fait ce parchemin au juste? What? Ok, regardez, je crois que ça modifie le son. Et enfin on passe le mur du son. Du coup regardez, waouh, ok, ça doit être très très puissant. On a également un parchemin marteau de foudre, ça sert à quoi ça? Waouh, ok, regardez, on peut jeter des marteaux venus du ciel. Attendez, on va essayer sur Chase pour voir. Aïe, c'est en train de le brûler. Non, mon véhicule. What? Ok, ça a l'air très très puissant. On a également parchemin de champ de force, les amis. Ok, je crois que ça c'est des protections tout simplement. Hop, et bah, quand on est dans cette bulle, Chase ne peut pas nous attaquer. On a également parchemin de chaîne d'éclair. Attendez, on va essayer. Hop, eh, ça marche pas. Wesh, attends Chase, viens plus près de moi. Ok, c'est bon, regardez. Aïe, ça marche. Aïe, arrête. Ok, oh, ça fait de la musique, regardez. Ça fait de la musique quand on tire les amis. Ok, c'est plutôt stylé. Hop, attendez, on va essayer le parchemin onde de choc sur lui pour voir ce qu'il a. Aïe, ça fait je crois que ça c'est clairement le parchemin le plus cheaté les amis. Ça doit lui faire énormément de dégâts. Ok, arrête. Le marteau de foudre dessus. Aïe, regardez. Oh là, il va pas tarder à mourir normalement les amis. Oh là là, il est en train de prendre un max de dégâts. Allez, les amis, c'est parti. Il va bientôt mourir normalement. Let's go. Ok, c'est bon, on l'a eu les amis. Wow, eh mais clairement Skibidi Speaker, c'est une dinguerie les amis. Il est très très cheaté. Wow, attendez, par contre les amis, regardez, je ne suis plus en game mode 1 du coup. Ok, bon bah ça veut dire que là je peux mourir. Du coup hop, on va continuer à combattre Chase qui est de retour les amis. Ah ouais, par contre ça va être un peu plus compliqué là. On a un délai pour l'utilisation des parchemins. Donc ce qu'on va faire au pire des cas les amis, c'est que on va tout simplement faire une petite épée en bois. Et on va l'attaquer vu qu'on a force. Du coup on va voir combien effet de force combien on a. Bon là je me suis mis une petite protection les amis. Normalement Chase ne peut pas m'attaquer dans cette bulle. Hop, du coup let's go, on va faire une petite épée en bois en attendant. Ok, hop, ah bah j'avais déjà tous les matériaux, ça servait à rien de reprendre des bûches, mais bon c'est pas grave. Hop, let's go. Ok, c'est bon, j'ai ma petite épée en bois. Maintenant c'est parti, on va attaquer Chase et voir en combien de coups on peut le tuer les amis. Par contre ouais, il va falloir le faire tomber de là-haut les amis. Attendez, hey, c'est quoi? Mets-toi un peu à gauche. Mon effet onde de choc, ça va le faire tomber normalement. C'est parti. Ok. Oh, ça va pas marcher. Mets-toi un peu à gauche. Comment ça, ici? Reste ici, ouais, c'est bon. Ok, ok. Ah, je crois qu'il essaie de m'attraper avec une canne à pêche. Wow, ok. Bon, ça sert à rien ce que tu fais là, Chase, hein. Hop, attendez, on va essayer de le faire tomber. Ok, c'est bon. On l'a fait tomber, les amis, on va l'attaquer. Ok, on est déjà 2 coups. 3 coups, les amis. Ok, il nous faut juste 3 coups pour tuer Chase avec Skibidi Speaker. Ok, bon, en tout cas, ce perso, c'est clairement une dinguerie, les amis. Par contre, je sens que les effets sont en train de se dissiper, les amis. Je me retransforme en Razen. Let's go. Ok, c'est bon, les amis. Je suis de retour en Razen, du coup. Wow, ok, Chase, il a l'air très, très remonté contre moi, là. Il a sorti son lance-roquette. Ok, faut vite que je bouge d'ici. Hey, Chase, je dois te dire un truc qui va te calmer, là, en vrai. Là, on va rentrer et je vais t'acheter ta carte Robux de 30€. Ouais, ça va. Ouais, ok, c'est bon. Eh, hey, par contre, Chase, donne-moi toutes les armes que t'es sur toi là, on va se rassurer non. Que voilà, il m'attaque lui. Allez, donne ton lance-roquette, sinon t'auras pas tes Robux en vrai, Chase. Ah, allez, dépêche-toi. Ok, mais je garde l'autre arme. Hop, bon, garde l'autre arme si tu veux, elle est beaucoup moins puissante. Au moins, voilà, on a pris le bazooka, c'est le principal. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va tranquillement rentrer chez moi. On a fini de tester toutes les transformations. Dites-moi en commentaire, du coup, les amis, laquelle a été
été votre préféré durant toute cette vidéo. N'hésitez pas également aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. Et mettez également un gros pouce bleu, les 1000 pouces bleus que je vous ai demandé. On en est capable, du coup voilà, je compte sur vous. Sur ce, moi je vais aller acheter la petite carte Roblox pour Chase, histoire que voilà, il me dézingue pas. Et on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Razon, salut salut.